Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus le Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Alléluia, Christ est vivant. Celui que nous avons suivi sur son chemin de croix, Dieu l'a ressuscité pour nous donner la vie et la gloire sans fin. En ce jour très saint de Pâques, célébrons la victoire du Christ sur le mal, sur le péché et la mort. Soyons donc attentifs au signe de son retour glorieux. Frères et sœurs bien-aimés, rendons grâce au Seigneur pour cette eau. Nous allons en être aspergés en souvenir de notre baptême. Que Dieu nous vienne en aide, afin que nous demeurions fidèles à l'Esprit que nous avons reçu. Seigneur Dieu Tout-Puissant, sois favorable aux prières de ton peuple, tandis que nous célébrons la merveille de notre création et la merveille plus grande encore de notre rédemption. Nous te rendons grâce pour cette eau. Tu l'as créée pour féconder la terre et donner à nos corps fraîcheur et pureté. Tu en as fait aussi l'instrument de ta miséricorde. Par elle, tu as libéré ton peuple de la servitude et tu as étanché sa soif dans le désert. Par elle, les prophètes ont annoncé la nouvelle alliance que tu allais conclure avec l'humanité. Par elle, enfin, ô sanctifié par le Christ au Jourdain, tu as renouvelé notre nature pécheresse dans le bain de la nouvelle naissance. Que cette eau, maintenant, nous rappelle notre baptême et nous fasse participer à la joie de nos frères et sœurs, les baptisés de Pâques, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Père Jean-Claude et moi, nous allons passer à travers l'Église pour vous asperger d'eau bénite et vous allez faire le signe de la croix. Mais malheureusement, tous ceux et toutes celles qui portent des verres, des lunettes, je vous prie de les enlever parce que vous allez être mouillés d'eau bénite. Thank you.
Que Dieu Tout-Puissant nous purifie de nos péchés et par la célébration de cette Eucharistie, nous rende digne de participer à la table de son royaume par le Christ notre Seigneur. Aujourd'hui, Seigneur Dieu, par ton Fils unique, vainqueur de la mort, tu nous as ouvert les portes de l'éternité, tandis que nous fêtons solennellement la résurrection du Seigneur, nous t'en prions. Accorde-nous d'être renouvelés par ton Esprit pour que nous ressuscitions dans la lumière de la vie. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres, au chapitre 10. Versets 34a, puis les versets 37 à 43. En ces jours-là, quand Pierre arriva à Césarée, chez un centurion de l'armée romaine, il prit la parole et dit : Vous savez ce qui s'est passé à travers tout le pays des Juifs, depuis les commencements en Galilée, après le baptême proclamé par Jean ? Jésus de Nazareth,
Dieu lui a donné l'onction d'Esprit Saint et de puissance. Là où il passait, il faisait le bien et guérissait tous ceux qui étaient sous le pouvoir du diable, car Dieu était avec lui. Et nous, nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. Celui qu'ils ont supprimé en le suspendant au bois du supplice, Dieu l'a ressuscité le troisième jour. Il lui a donné de se manifester, non pas à tout le peuple, mais à des témoins que Dieu avait choisis d'avance, à nous qui avons mangé et bu avec lui après sa résurrection d'entre les morts. Dieu nous a chargés d'annoncer au peuple et de témoigner que lui-même l'a établi juge des vivants et des morts. C'est à Jésus que tous les prophètes rendent ce témoignage. Quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon de ses péchés. Parole du Seigneur. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Colossiens, au chapitre 3, versets 1 à 4. Frères, si vous êtes ressuscités avec le Christ, recherchez les réalités d'en haut. C'est là que le Christ, assis à la droite de Dieu, pensez aux réalités d'en haut, non à celles de la terre. En effet, vous êtes passé par la mort et votre vie reste cachée avec le Christ en Dieu. Quand paraîtra le Christ, votre vie, alors vous aussi, vous paraîtrez avec lui dans la gloire. Parole du Seigneur. Adios, rei de mi torres, Christus mi.
Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Le premier jour de la semaine, Marie-Madeleine se rend au tombeau de grand matin. C'était encore les ténèbres. Elle s'aperçoit que la pierre a été enlevée du tombeau. Elle court donc trouver Simon-Pierre et l'autre disciple, celui que Jésus aimait, et elle leur dit, « On a enlevé le Seigneur de son tombeau et nous ne savons pas où on l'a déposé. » Pierre partit donc avec l'autre disciple pour se rendre au tombeau. Ils couraient tous les deux ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au tombeau. En se penchant, il s'aperçoit que les linges sont posés à plat. Cependant, il n'entre pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arrive à son tour. Il entre dans le tombeau. Il aperçoit les linges posés à plat, ainsi que le suaire qui avait entouré la tête de Jésus, non pas posé avec les linges, mais roulé à part à sa place. C'est alors qu'entra l'autre disciple, lui qui était arrivé le premier au tombeau. Il vit et il crut. Jusque-là, en effet, les disciples n'avaient pas compris que, selon l'Écriture, il fallait que Jésus ressuscite d'entre les morts. Acclamons la parole de Dieu. L'évangile de la résurrection de Jésus qui vient d'être lu commence ainsi. Le premier jour de la semaine de grand matin, c'est-à-dire le dimanche à l'aube, selon la manière juive de compter les jours de la semaine. Donc, en ce jour très saint de Pâques, éclate enfin l'Alléluia retenu depuis les 40 jours de carême. En fait, l'Alléluia exprime donc la louange incessante de l'Église qui monte vers Dieu pour sa gloire et sa victoire définitive sur la mort. Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et de joie, entonne le refrain du psaume 117. Revenu du séjour des morts, le Christ répand sur le genre humain sa lumière et sa paix. Voici le premier jour de la nouvelle création dans le Christ. Dans ce contexte, Marie-Madeleine se rend au tombeau de grand matin. C'était encore les ténèbres. Vraiment, elle part à l'aventure, au cœur des ténèbres épaisses, de la foi, du péché et du mal. Autrement dit, notre monde est en pleine crise de foi et de lumière. Dis-nous, Marie-Madeleine, qu'as-tu vu en chemin? Clame la séquence qui était chantée en latin. Madeleine, qui a vécu
ce moment particulier dans la vie de Jésus est face à l'épaisseur des ténèbres en plein jour, par la violence orchestrée. Notre monde connaît les conflits, des guerres, l'insécurité est galopante. Ici comme ailleurs, nous sommes bouleversés, déstabilisés. Malgré ce constat de mort et de violence sans merci, comme Marie-Madeleine, qui a vécu la crucifixion et l'ensevelissement de Jésus, nous voulons nous mettre en chemin à la recherche du ressuscité, afin de vivre avec lui en ressuscité, comme nous l'affirme saint Paul dans la deuxième lecture. Effectivement, nous sommes ici rassemblés, nous sommes à la recherche de Jésus, nous sommes à la recherche des réalités d'en haut pour expliquer notre quotidien si difficile et déconcertant. Oui, notre quotidien est souvent difficile dans nos familles, dans la société, dans le travail. Où que nous soyons, nous n'avons pas vraiment la paix. Nous écoutons les informations, les nouvelles, mais au fond, il y a une amertume qui nous vient par-dessus tout. Rechercher les réalités d'en haut ne signifie pas en bas abandonner les réalités d'ici-bas. Seule une étincelle de Dieu, l'étincelle de son mystère pascal, peut bouleverser nos doutes et les désenchantements de notre monde. De fait, sans l'apercevoir, nous sommes dépaysés chez nous, à domicile. Que dire alors de toutes ces personnes déracinées à l'échelle mondiale? Malgré tout, sachez que notre vie reste cachée avec le Christ en Dieu. Voulant dire que notre trajectoire chrétienne suit celle du Christ mort et ressuscité. Car un jour viendra, la vérité de toutes choses sera dévoilée. Et au cours de notre pèlerinage dans le clair-obscur de la foi, Pâques en est la boussole sur le chemin de l'espérance. Arrivée au tombeau, Marie-Madeleine fait le constat de l'indicible. Elle s'aperçoit que la pierre a été enlevée. Elle court l'annoncer aux disciples Pierre et Jean. Malgré qu'elle fût encore persuadée qu'on aurait volé le corps de son Seigneur. Pierre et Jean, à l'appel de Marie-Madeleine, courent au tombeau. Il est à noter ici ce détail subtil de l'évangéliste Jean. Le plus jeune courait plus vite que Pierre et arrivait le premier. Cependant, il n'entre pas. S'effaçant ainsi devant Pierre, laissant celui-ci rentrer avant lui. Assez souvent, la source de nos conflits, c'est quand l'un a peur de céder la place à l'autre. C'est quand l'un croit avoir toujours raison sur l'autre. Donc, il nous est suggéré ici de reconnaître la complémentarité de l'amour et de l'autorité dans l'Église. Voilà un trait remarquable de la communion ecclésiale, rendre à chaque personne
sa vraie place et sa dignité. Que constatent Pierre et Jean? L'absence du cadavre de Jésus. D'où l'énigme du tombeau vide. Mais la présence des vêtements funéraires, les linges sont posés à plat, et ainsi que le suaire. Tout simplement, ce constat vient confirmer que le corps de Jésus n'a pas été dérobé. En effet, aux yeux de l'amour, de la foi et de l'espérance, ces linges pliés, ordonnés, sont devenus occasion de croire, de s'engager sur le chemin de la vraie foi. Cela nous rappelle la prière, la quatrième prière du Vendredi Saint, dans laquelle l'Église supplie Dieu d'augmenter en nos catéchumènes l'intelligence et l'intelligence de la foi. Car sur le chemin de Pâques, nous avons tous besoin de la foi et de l'intelligence de la foi. Nous avons besoin également de faire le passage de la liberté, de la libération et du salut en Jésus-Christ. Nous avons besoin de découvrir, par ce constat unique des apôtres Pierre et Jean, la gloire de Jésus ressuscité. Pour cela, l'évangéliste Jean, parlant de lui-même, certes, dit « Il vit et il crut ». Voir et croire, comme croire sans avoir vu, voilà ce qui constitue les repères de notre intelligence de la foi. Et si donc, selon le livre des Actes des Apôtres, Pierre, en arrivant chez Corneille, le centurion romain, peut proclamer « Et nous, nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait. Dieu a ressuscité Jésus et nous en sommes témoins. » La foi part de l'expérience. Et l'expérience doit être éclairée par la foi. Pour cela, l'évangéliste Jean suggère d'aller à la source de l'Écriture pour mieux comprendre. Jusque-là, en effet, les disciples n'avaient pas compris que, selon l'Écriture, il fallait que Jésus ressuscite d'entre les morts. Approfondir notre foi dans les Écritures pour bénéficier d'une plus grande intelligence de la foi. Voilà un objectif, voilà un idéal et un but à se donner. Dans l'aujourd'hui de la résurrection du Christ, comme en témoigne le siège pascal, voilà pourquoi dans le siège, on a les quatre chiffres de l'année 2024 pour rappeler que la résurrection n'est pas chose du passé, mais la résurrection de Jésus se vit dans l'aujourd'hui. Frères et sœurs bien-aimés, voulons-nous vivre ressuscité avec Jésus? Et en quoi et comment sommes-nous des témoins de la résurrection du Christ? Enracinés dans notre première Pâque qu'est le baptême, en célébrant cette Pâque annuelle qui nous prépare à la Pâque éternelle le jour de notre mort, frères et sœurs bien-aimés, que Dieu, qui a ressuscité Jésus, nous ressuscite nous aussi, nous donne en plein la vie, qu'il fasse de nous de nouvelles créatures, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.
prison. Levez-vous pour proclamer la foi de l'Église. Après chacune des interrogations, nous répondrons « Je crois ». Croyez-vous en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre? Je crois. Croyez-vous en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui est né de la Vierge Marie, a souffert la passion, a été enseveli et ressuscité d'entre les morts et qui est assis à la droite du Père? Croyez-vous en Jésus-Christ? Croyez-vous en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, au pardon des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle? Croyez-vous en l'Esprit Saint? Que Dieu Tout-Puissant, Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a fait renaître par l'eau et l'Esprit Saint, et qui nous a accordé le pardon des péchés, nous garde encore par sa grâce dans le Christ Jésus notre Seigneur pour la vie éternelle. Amen. Le Christ est vraiment ressuscité. Alléluia, alléluia. Bénissons Dieu notre Père qui a ressuscité Jésus son Fils et notre Seigneur. Prions pour que la lumière de Pâques pénètre partout et qu'elle transforme la vie de chaque baptisé et celle de tout être humain. Dieu vivant et vrai, exauce-nous. Dieu vivant et vrai, exauce-nous. Dieu notre Père, renouvelle ton Église de l'intérieur. Bénis et protège notre Pape François ainsi que tous nos pasteurs. Par ton Fils ressuscité, nous te prions. Dieu vivant et vrai, exauce-nous. Dieu notre Père, raffermis tous les néophytes de Pâques, soutiens tout effort pour la paix, ici comme ailleurs. Par ton Fils ressuscité, nous te prions. Dieu vivant et vrai, exauce-nous. Dieu notre Père, bannis la haine et la guerre entre tous les peuples. Ravive en nous tes gestes de miséricorde. Par ton Fils ressuscité, nous te prions. Dieu vivant et vrai, exauce-nous. Dieu notre Père, donne le nécessaire aux pauvres et aux réfugiés. Guéris-nous de toute maladie et de toute peur. Par ton Fils ressuscité, nous te prions. Dieu vivant et vrai, exauce-nous. Dieu notre Père, fais-nous vivre en ressuscité avec le Christ pour que notre monde renaisse à l'espérance. Par ton Fils ressuscité, nous te prions. Dieu vivant et vrai, exauce-nous. Sois béni, Dieu notre Père, toi qui as ressuscité ton Fils pour notre salut. Reçois favorablement nos prières et dans ta bonté, mets la joie de Pâques au cœur de tous ceux et celles qui t'espèrent. Par le ressuscité notre Seigneur. Amen.
réunis ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Dans l'exultation de la joie pascale, Seigneur, nous t'offrons ce sacrifice. C'est par lui que ton Église, de manière admirable, naît à la vie nouvelle et reçoit sa nourriture par le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint où ressuscita selon la chair notre Seigneur Jésus le Christ. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce. Il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce,
Il la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir de ta charité en union avec notre pape François, notre évêque Christian et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi des baptisés du pape que tu as fait renaître de l'eau et de l'Esprit Saint pour une vie nouvelle dans le Christ. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de Chérine, Cheata, Bacha. Souviens-toi de Boto, Raymond, Paul. Et souviens-toi de ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, Saint Vincent de Paul et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Ressuscité avec le Christ, nous pouvons dire en toute confiance cette prière qu'il nous a apprise. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal.
Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent la puissance et la gloire pour les siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur ressuscité soit toujours avec vous. Même sans donner une poignée de main, souhaitez-vous l'un une l'autre la paix et la joie du Pâques. Bonne fête de Pâques. Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde, heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai béni. Le Seigneur vous bénisse.
Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, ne cesse pas de veiller avec tendresse sur ton Église, afin que, déjà renouvelée par les sacrements de Pâques, elle parvienne à la lumière de la résurrection par le Christ notre Seigneur. Veuillez vous asseoir un moment, s'il vous plaît. Je voudrais d'abord dire merci. Merci au Seigneur de nous avoir rassemblés ici dans cette église. Merci à chacun et à chacune de vous. Il y a des gens qui viennent de loin, il y a des gens qui participent avec nous pour la première fois, et il y a des fidèles aussi qui reviennent de loin pour célébrer. Avant, pour ne pas oublier, il y a un bienfaiteur qui nous apporte et le pain et l'encensoir avec lequel j'ai encensé pendant la messe d'aujourd'hui. Cet encensoir vient de Rome. Alors, j'ai l'occasion de dire merci à M. Raouf Hakim. Et il nous apporte aussi le pain. Donc, du pain coupé, il y en a. Thérèse, est-ce qu'il y a du chocolat aussi? Il y a du chocolat aussi. Bon, il y a du chocolat coupé pour tout le monde. Donc, c'est la fête, nous allons partager. Un merci à l'équipe de chant et de musique. Même si le prêtre ne vous intéresse pas, mais à cause de cette équipe, je sais que vous reviendrez. Vous revenez quand même. Il y a Marie-Ève, Marie-Christine, Julien et Denis Alorque. Merci à toute l'équipe de ministres de communion, de servants de messe. Alors, il y a deux paires de jumeaux jumelles. Alors, j'ai choisi deux jumelles parmi les deux paires. Alors, vous comprendrez le reste. Merci aux parents. Merci. Il y a les sacristains et sacristines. Thérèse n'a pas de prix pour tout ce qu'elle a fait pour mettre l'Église au top durant ce temps pascal. Merci Thérèse. Carl Arex, qui le second vient de loin, mais il est toujours là. Merci Carl. Vous aurez la chance d'avoir cette messe sur YouTube, peut-être ce soir ou demain, et vous pouvez la revoir et inviter d'autres à la regarder aussi, grâce à Louis de Carifel, le papa de Audrey-Anne et Laurent, le mari de Hélène. Toujours, chaque samedi, Louis est toujours là pour enregistrer nos messes. Merci Louis. Merci à Chanel, René Chanel, photographe, qui prend la messe et sûrement il va me l'envoyer aussi. Ce sera mis en ligne peut-être. Un merci à nos bienfaiteurs. Par exemple, je ne sais pas, pour ceux qui sont habitués, chaque temps liturgique, il y a une couleur. C'est quelqu'un qui nous a fait cadeau des tissus pour la décoration et en plus qui vient faire la décoration. Merci à Johnny Altimé.
merci à nos marguillés et marguillères. Un merci à Jacques Bédard, à Manon, son épouse, à Robert Legault. Ces personnes étaient là pour la décoration, pour le nettoyage. Si vous êtes rentré par la porte principale et que le parvis est propre, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui l'a nettoyé. Je dis merci aussi à l'équipe qui a fait le nettoyage de l'église. Si j'oublie quelqu'un, pardonne-moi. Je voudrais dire merci à tout le monde. C'est vraiment une fête de Pâques dans la joie, dans la collaboration. Vivez en ressuscité, bonne fête de Pâques. Après la bénédiction, je crois que vous êtes pressé parce qu'il y a le repas de Pâques qui n'attend pas. Mais même si vous êtes pressé, dans la tradition catholique, on chante le Regina Cheli, Reine du ciel. Alors, après la bénédiction, nous allons chanter ensemble le Regina Cheli avec Julien, Marie-Ève et Marie-Christine. Et ensuite, ce sera le renvoi avec Alléluia, Alléluia, et vous répondrez aussi, nous rendons grâce à Dieu, Alléluia, Alléluia. Levez-vous pour la bénédiction. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse. En ce jour où nous célébrons la solennité de Pâques, et dans sa bonté, qu'il vous protège des assauts du péché. Amen. Amen. Il vous régénère pour la vie éternelle par la résurrection de son Fils unique. Qu'il vous comble de la vie sans fin. Amen. Amen. Ils sont finis les jours de la Passion du Seigneur. Vous qui célébrez avec allégresse la fête de Pâques, venez avec son aide. Prendre part en exultant aux fêtes qui s'accomplissent dans la joie de l'éternité. Amen. Amen. Et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, le Père et le Fils et le Saint-Esprit descendent sur vous et y demeurent toujours. Amen. Joyeuse fête de Pâques, bonne semaine.